Ce 8 avril en soirée, heure française, une magnifique éclipse solaire totale fut visible sur une partie du continent américain. Et malgré une météo incertaine, cette éclipse, qui fut visible d'une partie de l'Amérique du Sud au Canada, fut un spectacle assez mémorable, photographié par un grand nombre d'amateurs, comme d'astronomes professionnels et semi-professionnels. Il faut dire que ce genre de spectacle a toujours de quoi créer un certain intérêt, et même s'il est assez simple, c'est tout simplement la lune qui passe devant le soleil, est toujours un spectacle grandiose pour les yeux. Et justement, à cette occasion, je vous propose de revenir sur les plus belles images qui commencent à circuler de l'éclipse. D'ailleurs, fait amusant, mes 6 objets du système solaire furent visibles également. De gauche à droite, on a eu droit à Uranus, Jupiter, la comète 12P Pons-Brooks, Mercure, Vénus et Neptune. Enfin, sachez que je vous mettrai également en description les différents crédits des photographes afin que vous puissiez explorer leur travail. Et quant à moi, je vous laisse profiter des images. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous maintenant le 29 mars 2025 pour une éclipse partielle qui sera visible en Europe et une totale en Espagne en août 2026. Mais ça, j'espère avoir l'occasion d'en reparler bien plus longuement. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.